Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour un brownie. Pour ce brownie, comme ingrédient, il va nous falloir 50 g de farine, 30 g de sucre, 100 g de sucre roux non raffiné. Donc, je l'utilise souvent pour mes brownies, pour mes cookies, pour mes muffins. Je trouve que ça ramène un petit goût. Plutôt caramélisé et aussi ça remplace mon sucre vanillé. Donc du coup avec ce sucre je mets pas de sucre vanillé et c'est peu calorique donc comparé au sucre normal et vous le trouvez en magasin bio. Il va nous falloir 150 g de beurre, 200 g de chocolat, 50 g de noix de pécan et 50 g de noisettes que j'ai torréfiées et que j'ai coupées en gros morceaux plutôt. Il va nous falloir 3 œufs. Et du coup, on va procéder à notre mélange. Voici mon chocolat et mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes et que je vais rajouter à mon mélange. J'ai pris un moule de 20 cm carré donc, et je vais mettre mon brownie, plutôt mon mélange. Donc pour au niveau du moule, je n'ai pas besoin de le beurrer, je ne le beurre pas. Et au niveau de la cuisson, je vais le mettre à 180 degrés pour une durée de 15 minutes et ensuite 160 degrés pour une durée de 5 minutes. Je vais rajouter des morceaux de chocolat et des noix de pécan ainsi que des noisettes que j'ai coupées en deux. Voici mon brownie sorti du four. Voilà. Voici, il se présente comme ceci.